Ravi de vous retrouver sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui, ce matin, j'ai la chance de pouvoir traiter une véritable légende, une icône. Un propriétaire m'a confié son véhicule pour juste une petite cure de jouvence. Vous allez voir, le véhicule est quand même assez marqué. Le but, c'est pas de la rendre concours, loin de là. Par contre, elle a besoin quand même de pas mal de soins esthétiques. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Vous allez voir, il s'agit d'une icône française. Une fois n'est pas coutume. Allez, on va partir la voir. Bon, je vous ai pas menti, une véritable icône. Vous savez, en France, on a quelques modèles comme ça, un petit peu emblématiques, légendaires. La berlinette, l'Alpina 110 chez Renault Alpine. Eh bien, écoutez, la Renault 5 Turbo 2, en tout cas, ne fait pas exception. Moi, personnellement, ça me rappelle mon enfance. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent qui vont avoir la même impression, mais elle est quasiment de la même année de naissance que moi. Mon père, je m'en rappelle, avait une Renault 5 toute simple, hein, une GTL d'époque qui était dans un état pitoyable, mais elle m'avait marqué cette voiture. Aujourd'hui, j'ai véritablement une chance de pouvoir traiter cette Renault 5 Turbo 2. Alors, si on regarde cette voiture, qu'est-ce qu'on peut remarquer? La première chose, c'est qu'elle a une livrée donc blanche nacrée. Ce n'est pas une teinte unie. La voiture a été plusieurs fois repeinte et mal repeinte. Et c'est ça le problème. Regardez notamment sur le capot ici, on a un voile monstrueux. On a beaucoup aussi donc de voile au niveau de la peinture. Donc, je ne parle pas de voile de défaut, de micro-rayure ou autre, mais c'est véritablement une surcharge complète, donc le capot dans les faits serait à refaire, mais c'est absolument pas ce que m'a demandé le client. Le client lui profite de sa voiture. Vous voyez par exemple aujourd'hui le temps est maussade, il pleuvait ce matin, ça ne l'a pas empêché de prendre la route pour me l'amener. Il en profite et il a bien raison, je le comprends. Donc voilà, la voiture présente quelques défauts, alors des défauts de surface, oui, de la micro-rayure, des choses comme ça, mais ça maintenant vous savez, forcément ça va partir. Elle a aussi beaucoup de contamination cette voiture. Donc des petits points noirs par-ci, par-là. Ça, on va faire une bonne décontamination chimique et mécanique et ça va partir. Ensuite, on fera un polissage et on appliquera un traitement de protection. La voiture parcourt vraiment très, très peu de kilomètres à l'année, de l'ordre de 500 à 1000 grand maximum. Donc le but, c'est pas non plus de partir dans les méandres de traitement céramique ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument pas lieu d'être. Voilà. Ah oui, alors regardons le cœur de la bête quand même, puisque vous savez, sur cette voiture, le moteur est en position donc centrale arrière. Bon les amis, j'ai enlevé un peu tous les caches, alors non sans mal, hein, c'est assez lourd, mais regardez le cœur de la bête. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un 4 cylindres turbo, 1 litre 4 turbo si je ne m'abuse, qui développait quand même pour l'époque 160 chevaux. Là on est complètement donc avec le moteur dans l'habitacle, regardez, il n'y a rien, c'est assez impressionnant et vous êtes seul au monde certainement à la conduite. Bon, moi c'est pas les quelques mouvements de roue que j'ai pu faire pour la rentrée dans le local qui me permettent d'apprécier tout ça, mais je peux vous garantir que en tout cas c'est quand même assez impressionnant. Puis regardez la largeur de voie arrière avec les extensions d'ailes, c'est assez dingue, c'est assez dingue. Donc cette voiture, ouais, à mon avis, fallait pas faire trop d'excès d'optimisme sur la conduite parce que c'était sanction directe. Voilà, donc en tout cas, le moteur a été refait très récemment, fiabilisé. Les éléments qui devaient être changés ont été changés, donc il est en parfait état de fonctionnement et il est très propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très propre. En revanche, voilà, les moquettes, vous voyez par exemple ces éléments-là, bon, bah, méritent un bon petit coup de clean, un bon petit coup d'injecteur extracteur. Regardez aussi un petit détail, là j'ai enlevé donc le cache supérieur. Ici, vous voyez trois sangles qui sont parfaitement d'origine et qui n'ont jamais été utilisées. Et il s'agissait en réalité de la sangle pour les bagages, puisque comme vous n'avez pas de coffre, bah, si vous vouliez mettre des bagages et éviter qu'ils se trimballent un peu partout dans l'habitacle, bah, vous deviez les sangler. Et là, le propriétaire m'a dit, écoutez, monsieur l'ami, moi, je ne les ai jamais utilisées. Le précédent propriétaire non plus. Donc, vous voyez, là, les sangles sont en parfait état d'origine. Voilà, les amis, j'espère en tout cas que la voiture vous plaît. Moi, en tout cas, je l'adore. J'ai hâte de commencer le travail dessus.
dessus. Il s'agit d'un exemplaire qui a été importé du Japon, le propriétaire m'a dit, de mémoire, il y a quelques années de ça. Évidemment, il la garde, il ne la vend pas. S'il fait tout ça, c'est comme je vous l'ai dit, pour pouvoir en profiter, mais il ne veut pas en faire une bête de concours. Voilà, donc on va faire un programme soft, mais on va surtout se faire plaisir. Allez, on commence donc. Première étape, décontamination. Là, bien entendu, le véhicule, je l'ai nettoyé, mais je l'ai nettoyé sans eau. Elle n'était pas excessivement sale. Surtout sur les anciennes comme ça, ne les nettoyez pas non plus à la haute pression. Il y a pas mal d'éléments qui sont fragiles. Vous voyez les grilles comme ça, qui tiennent à moitié. Vous voyez, en plus, là, on a des départs de vernis. Et bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. La peinture, elle est vraiment pas au top, top. Mais du coup, voilà, évitez de nettoyer véritablement les anciennes à la haute pression. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Faites-le au G-Simple. Voilà, donc, décontamination. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vais utiliser donc une clé, donc une barre d'argile qui va me permettre de pouvoir supprimer, vous voyez, écoutez, tout ce voile terne, tout ce voile un petit peu rugueux qu'il y a en surface et de préparer ma base pour le polissage futur. Donc, je vais utiliser un lubrifiant clé et ma clé, procéder en mouvement rectiligné, en passe croisée et ce, élément par élément. Allez, c'est parti. Pour le coup, vous voyez déjà tout ce qu'on peut ramener sur un latéral. Alors la contamination, les dépôts, hein, ça peut être encore une fois plein de choses, des retombées polluantes, du miella, de la sève, du voile gras routier, il y a énormément de choses. Ça ne se voit pas forcément sur le support, mais je peux vous garantir en plus que sur un blanc, lorsque vous le faites, vous allez retrouver énormément d'éclats. Rappelez-vous aussi la vidéo que j'avais faite sur la Miata, la MX-5, j'en parle de ça. C'est véritablement quelque chose qui est indispensable. Puis autre chose, regardez, je tourne ma clé. Sur l'élément que j'ai décontaminé, écoutez le bruit. C'est très lisse, on n'entend plus rien. Alors que si je répète l'opération sur la partie que je n'ai pas encore traitée, écoutez, c'est pas la même donne. Donc pour le coup, vous allez devoir décontaminer et faire ces mouvements-là en passe croisée jusqu'à ce que votre clé au passage ait un toucher parfaitement lisse, parfaitement soyeux. Voilà. Vous voyez, là maintenant, par exemple, ce n'est plus la même chose. Voilà, donc vous travaillez véritablement élément par élément. Éventuellement, vous faites plusieurs passages. Là, j'ai opté pour une clé qui était quand même assez fine. J'aurais pu partir sur une médium un peu plus hard qui m'aurait créé fatalement un peu plus de défauts. Mais là, pour le coup, ça suffit. Bon, alors là, les amis, sur le toit, je rencontre beaucoup plus de contamination que sur les parties verticales. Donc ça va être lié à de l'entreposage visiblement longue durée en extérieur. On le voit, beaucoup de petits points de couleur noire, de couleur brunâtre aussi. Donc il y a de l'oxyde ferreux, il y a de la sève incrustée, il y a des choses comme ça. Donc là, pour le coup, je vais changer de clé. Parce que vous voyez, là, sur une face, après un léger passage, elle est complètement saturée, on n'a rien de temps. Donc je vais partir sur une clé plus forte. Ça y est, l'étape décontamination est terminée les amis et ça n'a pas été non sans mal. Pourquoi? Puisque vous avez pu le voir, j'ai dû même en cours de route switcher sur une clé beaucoup plus hard pour virer tout le voile qu'il y avait sur la voiture. Énormément de retombées polluantes sur les parties horizontales, beaucoup moins sur les verticales, ce qui est souvent un peu l'inverse. Hein. La contamination, je vous le rappelle, vous en avez aussi beaucoup sur les parties verticales derrière les roues, liées au roulage, liées au gras routier qui s'incruste et autres. Là, manifestement, il y en avait beaucoup moins sur ces parties-là, mais en revanche, le toit et le capot, c'était quand même quelque chose. Donc, pas mal de temps passé sur cette étape-là. Voilà, maintenant, on va partir sur la partie donc polissage. Bien entendu, au préalable, je vais prendre soin de masquer tout ce qui ne se polie pas. Et là, la question se pose de choisir la bonne combinaison. Le but, je vous l'ai dit, c'est pas non plus d'agresser outre mesure la peinture. La peinture est fragilisée à plusieurs endroits. Le vernis s'en va, il y a des éléments qui devraient être remis en peinture hein, fatalement. Mais voilà, je vous l'ai dit, c'est pas le cahier des charges du client. Il veut un coup de neuf général. Voilà, donc je vais partir dans un premier temps sur un polish intermédiaire. Et si ça ne suffit pas, localement, j'upgraderai un petit peu sur un polish plus hard, un compound, donc le résurrection de chez Angel Wax que vous connaissez. Alors voilà les deux polishes dont je vous parle. Donc je vais laisser sa chance au Rain of 7 d'Alchimie 7, qui est un polish, on va dire, médium plus, et qui laisse donc une très bonne finition. Donc j'ai bon espoir que la combinaison soit efficace sur ce blanc nacré. Sinon, je vous l'ai dit, je partirai donc sur le Résurrection d'Angel Wax, qui est un de mes polishes favoris et qui, lui, je le sais, par retour d'expérience, laisse aussi une très très belle finition malgré son cut assez important. Alors, la voiture,
Là, avec la GoPro, c'est toujours compliqué hein, de filmer un blanc, mais il présente quand même beaucoup de défauts. Donc, je vous inclus quand même quelques photos pour que vous puissiez voir globalement à quoi on a affaire. On a des anciennes fientes d'oiseaux qui étaient incrustées. On a de la micro-rayure en pagaille, des rayures un petit peu plus prononcées à droite à gauche. Donc, pas mal de boulot quand même qui nous attend sur cette voiture. Alors premier test les amis, donc avec le Rénov 7 d'Alchimie 7 et un pad medium cut, et ben écoutez, regardez déjà ce qu'on peut observer. Vous voyez à gauche, même si ça flirque hein, avec la vidéo, hein, on a beaucoup de sentiments, regardez quand même un petit peu, là on avait les reflets des spots qui étaient complètement flous, alors que là on voit qu'à droite les reflets sont francs. Pour le coup, on a retrouvé beaucoup de brillance, on a nivelé ce qu'on appelait en fait le dégazage de vernis, toutes les micro têtes d'épingle qui apparaissaient liées au séchage, je pense, un peu trop rapide lors de la remise en peinture. Là, pour le coup, on a supprimé cette fine couche qui était juste indispensable et qui nous permet d'avoir un rendu beaucoup plus brillant, beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus net. C'est assez impressionnant, là, on le voit entre ce reflet-là et ce reflet-là, on voit nettement la différence. On enlève le scotch et on va encore mieux apprécier. Et autre chose qu'on peut regarder, c'est que la teinte est beaucoup plus blanche et beaucoup moins noire. Vous voyez à gauche, le blanc apparaît beaucoup plus noir, beaucoup plus terne. Là, on a un pailleté qui est nettement plus blanc. Donc voilà. Donc là, la combinaison, elle fonctionne parfaitement. Je suis très content parce que ça va me permettre en une passe de ne pas trop agresser le vernis et de remplir le cahier des charges du client, tout en ramenant un état esthétique superbe. Bon, mes amis, je vous reprends. J'ai bien avancé sur le polissage. Le latéral gauche est fait, aile arrière portière. Mine de rien, on reprend quand même pas mal de rondeurs hein, sur les formes. Enfin, les rondeurs, c'est vite dit, hein, vu que les ailes arrière sont taillées à la serpe. Mais le blanc nacré reprend pas mal de sa superbe. Donc ça, je suis très content. Alors le capot, je vous l'ai montré, je reviendrai plus en détail à la fin dessus. Mais gros travail dessus pour supprimer une grande partie des défauts. Et là, je voulais vous reprendre pour vous montrer aussi encore une chose. Alors j'ai démonté les feux arrière, les petits feux arrière et les petites grilles également pour me faciliter l'accès, pour polir tout autour, tout ça. Donc j'en ai profité bien entendu pour nettoyer tout ça parce qu'il y avait pas mal de poussière et autres. Alors j'ai volontairement pas tout démonté. Il faut faire attention hein, sur les véhicules très anciens comme celle-ci. Avec le temps, les plastiques sèchent, craquellent et autres, et vous pouvez avoir souvent donc les vis quand vous les démontez, vous les remontez, qui foirent et autres. J'ai pas pris ce risque-là, je les sentais un peu limite les vis à cet endroit-là. C'est pas non plus véritablement gênant. Donc le porte-lampe, je l'ai laissé, le joint, je l'ai juste nettoyé à la PC, je le traiterai bien entendu après, mais ça m'a permis aussi de pouvoir me dégager l'accès pour polir toute cette partie-là. Je vais m'attaquer au polissage des feux arrière. Comme je vous l'ai dit, je vous ai démonté, c'est pas pour rien. Ils sont extrêmement micro-rayés. Comme vous pouvez le voir ici, on a un voile très très terne là-dessus. Alors j'ai préparé un scotch tout simplement pour vous faire un 50-50. Hein. Un avant-après, mais pas mal de voiles de micro-rayures. Donc je vais en profiter qu'ils sont démontés pour pouvoir les polir intégralement, tranches comprises, et me faciliter encore une fois l'accès. Ça va leur redonner pas mal d'éclat. Ensuite, donc les fameuses grilles dont je vous parlais, je vais les nettoyer intégralement à la PC, et là ça va pas être facile. Il y a des alvéoles un petit peu partout, donc ça va être assez long, et ensuite je vais les traiter en céramique pour les repigmenter et leur redonner le look noir vraiment d'origine. Ça y est les amis, je viens de terminer le polissage de la T2. Elle est beaucoup plus belle, regardez. Voilà, le blanc retrouve enfin de sa splendeur.
Alors, c'est pas parfait à divers endroits, je vous l'ai dit, hein, mais je vous avais rien promis pour autant. Le cahier des charges est pour moi en tout cas largement rempli. Le capot, je vous en parlais, il revient de très très loin. On a pu ce voile complètement terne avec donc le dégazage de vernis qui s'était opéré et qui faisait des petites têtes d'épingle partout. C'était pas très très beau. Là voilà, même le latéral là, un bel aspect huilé. Donc ça c'est superbe. Alors je ne suis pas allé trop fort au niveau de la porte conducteur parce que comme vous pouvez le voir au niveau là de la jonction L, bah, la peinture et le vernis partent de partout. Idem au niveau du lettrage turbo là quand ils ont repeint uniquement le bandeau bas, ils ont fait des raccords. Enfin c'est vraiment pas très heureux. Donc là-dessus faut pas y aller trop fort. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai repigmenté aussi. Comment dire, les ailettes, toutes les prises d'air, les joints, les choses comme ça. Il y a juste un élément que je n'ai pas pu rattraper à 100%. Ce sont donc les éléments souples, donc supérieurs. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur une très belle Porsche 928 qui avait donc le béquet souple aussi comme ça à l'arrière. On a vu de bons résultats. Là, pour le coup, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Le matériau est assez cuit, puis même les traces qu'on voit ici, même après de multiples dégraissages et autres, ça ne part pas. Donc bon, ça redonne quand même un petit peu de cachet global, mais ça ne fonctionne pas parfaitement. Donc un peu déçu là-dessus, mais bon, on peut pas toujours gagner dans le detailing non plus. J'ai donc repigmenté aussi les joints de pare-brise, de contour de fenêtre, les rétroviseurs aussi. Alors quel produit j'ai utilisé? J'ai encore une fois utilisé donc le Restorer de la marque Fitech dans la gamme CarLift, qui est toujours aussi bon, qui donne toujours de très très bons résultats. Rappelez-vous donc la prise d'air aussi là est top. Le bouclier avant également. Donc là voilà, on a quand même déjà un très très bel aspect général extérieur. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste à traiter donc la carrosserie complète. Il me reste aussi à traiter l'intérieur. Je vous l'ai dit. Théoriquement, c'est pas prévu, hein, mais j'ai promis quand même au client de m'intéresser un petit peu au compartiment moteur où les moquettes beige là sont quand même pas mal encrassées. Donc c'est pas très très beau. Comme le moteur vient d'être fait, bah, autant qu'on ait un truc un peu homogène. Et puis donc le pare-chaleur arrière qui est pas très très beau non plus. Donc tout ça, je vais le passer en injection-extraction. Voilà. Donc voilà, globalement là, ça fait déjà à peu près 8 ou 9 heures. Ça fait à peu près 9 heures que je suis sur la voiture. Alors, il ne s'agit pas d'une grande rénovation, hein, donc ça va pas me prendre non plus 40 heures de la rénover. Mais j'ai une bonne journée déjà dans la tête. Je vais continuer. Et demain, il me restera certainement encore quelques petites finitions. Mais mon objectif, là, c'est de terminer la journée en ayant appliqué déjà la première couche de protection. Et on va en parler tout à l'heure, savoir quel choix j'ai retenu pour cette superbe Turbo 2. Et je remets en place le cache moteur. Regardez, petit outil historique qui était livré avec la voiture, qui permet de remettre en fait les vis quart de tour. Hop, voilà, c'est verrouillé. C'est pas mal. C'est une petite trousse à outils d'époque. Il y en a d'autres, mais celui-ci, voilà, est bien sympa. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de coffre, en réalité, j'étais un menteur. Il y a un coffre. Alors, il est symbolique, certes. C'est sûr qu'il ne faut pas partir avec une copine qui aime bien les chaussures, sinon ça va être compliqué, mais pour le coup, voilà, il y a quand même un coffre, où vous pouvez mettre quelques affaires dedans. Ça y est, l'intérieur est terminé, j'ai fini d'injecter, extracter, j'ai tout remis à l'intérieur. Voilà, maintenant, la dernière étape qui me reste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement donc le lustrage du véhicule, à savoir redonner les huiles perdues avec le temps au vernis, et ensuite l'application d'une cire de protection. Et qu'est-ce que j'ai choisi au final pour cette Turbo 2? J'ai choisi tout simplement une combinaison de la gamme Swissvax. Vous commencez à les voir derrière moi, on va voir un petit peu plus en détail quel type de cire j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi ça sur une ancienne. Encore une fois, et je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo, pour les anciennes, je n'opte quasiment jamais
pour un traitement céramique, sauf demande express du client, puisque je préfère rester, on va dire, en accord avec l'époque du véhicule. Et puis, c'est surtout que ces véhicules-là, en général, subissent très peu de contraintes. Elles font assez peu de kilomètres à l'année, donc on peut, en gros, se faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai choisi exactement comme traitement SwissVax? Eh bien, j'ai choisi la cire Utopia. Il s'agit en réalité d'une cire sur base Carnauba, mais chargée en PTFE, donc en téflon, qui me permettra d'avoir une très grande durabilité, une résistance à la chaleur et un très grand pouvoir hydrophobe. Durable en tout cas, voilà. Bien sûr, au préalable, il faudra de toute façon traiter toute la carrosserie en la lustrant, en lui redonnant les huiles grâce au cleaner fluide de la marque qui est un composé d'huile tout simplement. Voilà. Et ensuite, j'appliquerai ni plus ni moins que deux couches d'Utopia à la main. Alors quand je dis à la main, ça sera au pad en mousse bien sûr. Je vous déconseille l'utilisation de cette cire-là à la main, à la paume des mains, puisqu'elle contient du PTFE et ce n'est pas bon pour la santé. Voilà. Et à mon avis, les amis, le rendu, il va être superbe. Clap de fin pour cette journée les amis, j'ai terminé l'application de la cire Utopia, la couche, un plaisir à essuyer, à appliquer, à essuyer comme à chaque fois avec SwissVax, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un vrai moment de bonheur et puis là, vous ne pouvez pas le sentir mais je vous garantis que le local, il est parfumé, c'est splendide. Voilà, on regarde la voiture, on fait un petit brief sur ce qui a été fait et puis on se retrouve surtout demain pour, je pense, quelques petites parties en extérieur parce que là, il pleut des cordes, je ne vais pas sortir la voiture bien entendu, mais demain, il prévoit beau, donc si le temps se tient, à ce moment-là, on la sort la voiture et on regarde un petit peu ce que ça donne au soleil. Regardez déjà, là, j'ai fermé les lumières pour qu'on n'ait plus du tout cet effet de scintillement et regardez-moi l'effet huilé qu'on obtient avec la cire Utopia, notamment sur les ailes arrière et autres. Là, c'est splendide. Vraiment, moi, je suis fan à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir traiter un véhicule ancien en cire naturelle. Alors, c'est pas qu'une naturelle, vous l'avez compris, mais on va dire que c'est une cire naturelle quand même. C'est un vrai moment de plaisir. La céramique, c'est bien, mais la cire, c'est mieux. Hein, on va pas se mentir. Regardez-moi un petit peu le rendu de la voiture. Alors, je vous en ai pas parlé, mais sur les jantes, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis aussi une cire SwissVax, la Autobahn que j'aime bien. Je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois. Le rendu est top. Effet huilé, le toucher. Et puis alors là, pour le coup, pareil, un cire à base de téflon. Donc l'effet hydrophobe, on sera vraiment au top. Le petit dressing qui va bien, le slick de chez Fictech, me donne vraiment à chaque fois entière satisfaction. Regardez les fameux pneus TRX d'époque. Et ben là, on est pas mal en termes de rendu. Puis alors ce 3 quarts arrière, là, avec les ailes gonflées, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis archi fan. Voilà. On va regarder un petit peu l'avant du véhicule aussi, qui est très typique. Regardez avec le capot. Alors, le capot qui avait quand même ce voile un peu terne et un petit peu piqueté. Bah, regardez maintenant, là, avec les dalles, là, on est vraiment super. On est impeccable. Moi, j'ai hâte de voir la réaction du client. Je pense qu'il va être vraiment content. Bah, écoutez, ça se passe de commentaires. Je vous laisse découvrir la voiture. Alors, qu'est-ce qu'il me reste demain à faire? Je vais appliquer la deuxième couche d'Utopia. J'ai quelques petites finitions intérieures à prévoir. Les vitres encore inter-exter et je crois que je serai pas mal. Donc voilà, globalement, en fait, cette rénovation flash hein, qui à la base était prévue en opération car staging, donc niveau 1, qui nécessite une journée complète de travail. J'ai quand même vraiment beaucoup plus poussé le truc, mais voilà, ça c'est cadeau pour le client. Moi, ça me fait plaisir de traiter cette voiture-là. Voilà, donc j'en ai fait plus, comme à mon habitude, si vous me suivez, si vous êtes un adepte de ma chaîne. Vous savez qu'à chaque fois je fais toujours un petit peu de bonus. Bah là pour le coup j'en ai fait vraiment plus, mais ça me fait plaisir. Alors le travail qui a été fait sur cette voiture, si je récapitule, une grosse partie des contaminations chimiques, mécaniques, hein, sur un blanc ça ne pardonne pas, ça se voit, donc forcément il faut un petit peu forcer sur cette partie là. Derrière passe de polissage, donc une combinaison trouvée qui me permettait d'avoir à la fois de la correction et de la finition localement sur des défauts plus profonds, et sur le capot notamment j'ai fait plusieurs passes pour vraiment avoir quelque chose de très
probant. Ensuite, bah, j'ai rectifié tous les accessoires, donc les feux, vous les avez vus, hein, les grilles, j'ai poussé un peu le truc, donc un petit peu de démontage, mais pas trop non plus. Hein, je vous invite à ne pas trop en faire aussi sur les anciennes. Par expérience, souvent, vous avez des éléments qui cassent. L'intérieur, donc au niveau des moquettes sur le compartiment moteur, donc un gros nettoyage, injection, extraction, les jantes, face externe, les pneus, les plastiques extérieurs, les joints, les choses comme ça, voilà, tout ça, ça a été fait, vous avez pu le suivre également. Voilà, en termes d'heures, je pense qu'avec les heures de demain, je serai à peu près entre 12 et 15 heures de travail, ce qui est globalement bien pour redonner une petite cure de jouvence à cette voiture. On pourrait aller plus loin, mais voilà, la base n'est pas parfaite, on ne pourrait pas non plus aller à fond, hein, vous l'avez vu, il y a des défauts de fond qu'on ne pourrait pas rattraper en detailing, ça nécessiterait une remise en peinture. Puis de toute façon, le client m'avait demandé aussi de faire le maximum. Voilà, bah écoutez, en tout cas les amis, moi je vais me reposer aujourd'hui parce que je suis pas mal émoussé encore une fois. On se retrouve demain comme promis, demain ou après-demain, je sais pas, en fonction de la météo, et on se fera des petits plans en extérieur. Voilà, bonne soirée à vous, ciao. Bon les amis, comme convenu, aujourd'hui il fait un temps superbe. J'ai sorti la Turbo 2 pour qu'on puisse l'observer en extérieur. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Bon les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai décidé de la faire, bien entendu là pour le coup c'était quand même plus pour le modèle que pour le travail qu'il y avait à fournir dessus, un travail on va dire assez classique d'un point de vue detailing, il n'y avait pas énormément de technicité, mais le but voilà c'était de lui redonner un coup de jeune. Je pense que le cahier des charges il est largement rempli. Les amis, je vous laisse, je pars vers mon autre local en Turbo 2 pour aller la stationner, la bébête. Dernier plaisir, on met en route la bête. C'est complètement une autre ambiance. Là, on est avec le moteur. C'est quelque chose de très typé qu'on retrouve maintenant. Bah, plus, c'est dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles réalisations. Ciao, les amis.